Bonjour. Donc vous êtes la maman de Betty qui a eu la mention très bien et en majeure elle est. Quel est votre sentiment par rapport à sa réussite hein? On est vraiment contents, on est très fiers de tous ces jeunes, hein, de elle, mais aussi tous les autres, tous les amis qui ont eu des mentions, pas de mention. Et puis c'est vrai qu'on a même pleuré, on était très émus, on ne s'attendait pas du tout qu'elle soit majeure. Et elle a vraiment beaucoup travaillé et je pense que voilà. C'est bien. Et comment ça s'est passé à la maison toute l'année de ce bac Elle a bien travaillé, mais elle a un petit peu fait la fête aussi, pas trop, raisonnablement. Pas beaucoup, pas beaucoup. Par contre, depuis une semaine, ça y va la fête. Non, c'est faux, je révise tous les jours, je me prépare pour l'année prochaine. Non, ça c'est pas vrai. Voilà, on est vraiment contents et on remercie bah, tous ses profs, son lycée, ses écoles depuis la maternelle. Notre beau pays. Les mamans, beaucoup mamans quand même. Et donc là, c'est les vacances. Quel est ton projet pour avant la rentrée? Alors là, j'aimerais bien faire un stage. Je vais voir avec Wendy Première si je peux aller faire un stage là-bas. Parce que j'aimerais bien maximiser mon temps ici et que ça puisse me servir pour plus tard. Donc, je vais voir si je trouve un stage. Et la maman, elle va profiter pleinement de sa fille avant qu'elle parte Oui, bah, je ne suis pas en vacances, je travaille, mais. Oui. Ah bah oui. Mi-août on part. Ça va être dur hein. Mi-août on l'accompagne pour s'installer à Paris. Voilà, et après, on la laissera prendre son envol. Ben, merci pour cette interview et puis félicitations Betty. Merci. Et merci à l'Assemblée.